Salut les gars, c'est Eldiril et aujourd'hui, on revient sur YouTube avec une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise et ce sera pour invoquer sur le nouveau personnage qui est Maylin Fisher. Un personnage de type O que je trouve très intéressante puisqu'elle propose pas mal de mécaniques, que ce soit au niveau des corps attaques, heal et même au niveau du buff de taux critique, dégâts critiques, résistance, tout ça. Elle a vraiment une panoplie de buffs qu'elle va appliquer. Et je m'intéresse beaucoup à ce personnage dans la mesure où elle va pouvoir me permettre de faire de meilleurs scores, notamment sur Ennio de Dragon et sûrement dans d'autres modes. Donc je veux vraiment essayer de l'obtenir. Pour cela, eh bien, j'ai en ma possession 102 tickets et pas mal d'essence stone. Alors vous devez sûrement vous demander les raisons de pourquoi du comment j'ai autant de pierres. C'est tout simplement parce que j'ai eu pas mal de chance sur Alicia Blanche. Alicia Blanche, j'ai invoqué, mais elle est tombée relativement vite. J'avais déjà un bon stock et il faut... Pour rappel, que je suis de la génération de la version canadienne. Qui fait que j'ai invoqué sur Choi Jong-in à sa sortie, etc. Mais voilà, donc, et je suis un petit peu cash player, faut pas se mentir non plus. Je mets pas des sommes faramineuses, mais j'ai quand même mis un peu d'argent, ce qui fait que, voilà, j'ai quand même des tickets. Et voilà, donc je vais pas aller plus loin dans la justification. Mais grosso modo, j'ai pu aller chercher Alicia Blanche et garder des ressources pour elle-même. Alors elle, la concernant... je sais pas si je peux vous l'afficher ici. Ici, là, voilà. Donc, je vais pas aller sur vraiment le détail du personnage, mais au niveau des doublons, il y a des choses à voir, notamment au niveau du dernier doublon qui est assez puissant, puisque vous avez ici les buffs, là, vous voyez ceux-là, qui sont de 8%, passent à 16%. Donc, pendant 24 secondes, je sais pas si c'est 24 secondes, toujours 24 secondes, donc ça va. Donc, on a carrément un boost doublé au niveau des buffs. Et ça peut être intéressant. Donc si vous cherchez vraiment à miser sur le personnage, le dernier doublon peut servir. Franchement, il peut aller très loin. Le doublon ici, bof, c'est pas ce qu'on va rechercher le plus. Quoique, elle permet de tanker énormément, donc on va aller chercher des PV. Mais tous les doublons peuvent être très intéressants de ce que j'ai pu lire concernant le personnage. Donc voilà, vite fait, petit retour là-dessus, mais je vais pas aller plus loin. On va vraiment voir ça plus tard. Je vais vraiment faire une analyse sur le personnage, vraiment lorsqu'il sortira. Il y a un autre truc que je veux vraiment aller chercher parce que tout ce qui concerne corps attaque avec Alicia Blanche et elle, il y a aussi, bien sûr, défense. Donc, comment ils l'ont appelé? Crow? Ils l'ont appelé Crow? Sérieux? Pourquoi? Iron? Tank? Et normalement, lui, c'est défense. Bon, on verra plus tard. Est-ce que je me suis trompé? Dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes d'accord avec cette traduction-là. Et ce que je vais faire avec vous, c'est ça, déjà. J'ai pu économiser mes ressources afin de pouvoir aller le booster. Et ce que je voulais, c'est vraiment le tester. Voilà, le tester à fond et vous faire un retour dès que possible. Donc, il y a vraiment l'idée de... augmente l'attaque de 20%. Attaque augmentée, l'attaque d'utilisateur, d'utilisation. Wow. Franchement, ça peut être très intéressant. Là, il y a ça aussi que je vais augmenter. Tant que j'y suis, pour pas que j'oublie. J'aurais pu faire tout d'un coup, d'ailleurs. Je pense que... voilà. Mais... on est bien, là on est bien, on a le deuxième qui est disponible et on ira le tester tout à l'heure. Donc j'ai déjà pas mal farmé pendant que j'étais au boulot un petit peu aussi. Mais voilà. Allez, on va sur les invocations, ça n'a que trop duré. Au passage, en même temps, je tenais à vous remercier. J'ai été pas mal absent, la plupart d'entre vous savent la raison de pourquoi j'ai été absent. Voilà, ce qui est fait est fait. Donc au niveau du Discord, vous l'avez vu. Merci en tout cas d'avoir été présent. Je n'ai pas répondu au message, je ne me sentais pas à la force de le faire, et je ne veux pas non plus en faire un mélodrame, pour voilà, c'est l'IRL, je ne veux pas trop en parler. Voilà. Mais merci à vous en tout cas d'avoir été présent, et je profite de cette vidéo pour vous remercier. On commence donc avec une première multi, où c'est tout kakine, c'est caca. Ouf, on a deux SR quand même, je dis pas non au doublon des SR. Les doublons de SR sont très intéressants d'ailleurs au niveau des shops. On est bien au niveau des shops. Hein. Bon, troisième multi, nada, je suppose. Mais au niveau de... Il y a pas mal de choses, de récompenses qu'on a reçues aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, notamment au niveau des sabliers dorés qu'on a. Qui nous permettent de monter les compétences de Sanjinwu. Et franchement, ça fait plaisir. Bon, là, j'ai vu la carte. Donc le personnage, je l'ai pas full. Mais sachez que vous avez un peu plus de monnaie comme ça lorsque vous avez déjà le personnage à fond. C'est un peu agaçant. Alors, je sens que je vais me faire shaft. Je le sens.
Je sais pas si je pourrais me permettre d'aller chercher Mayline full. On verra. J'attendrai peut-être de voir au niveau du prochain personnage que ça va être. Ok. Donc là, on a eu du rouge, mais rien de concret. Donc là, on est à combien? 40. On n'est pas encore à la soft pity, mais on s'y rapproche. Après, c'est bien parce qu'il y a la soft pity, mais derrière, gagner le 50-50, c'est quand même un plus. Et je l'ai ressenti avec Alicia Blanche, parce que sur Choi, je ne l'ai pas gagné à chaque fois, et Choi n'est pas et loin d'être C5. On a toujours pas, on a eu du rouge, on aurait pu avoir un fake out, pas du tout. Un ticket, une arme que je n'ai pas à fond. On continue. Et là, on est début soft pity. Je crois qu'on est à 60. Donc la prochaine, si je n'ai rien, je me fais ultra shaft. Ou si j'ai quelque chose ici. Allez. Non, rien du tout. Bon, on va faire comme pour Alicia Blanche. On va espérer qu'ici, ils chercheront à se pardonner. En me donnant 2 SSR. Why not? Voilà. Bon, si, il y a déjà du SSR. Bon. On a quelque chose. Maintenant, on en veut 2. Oh, il y a eu du SR quand même. On aurait pu y croire. Et c'est le dernier personnage. Waouh, ça veut dire que là... J'ai eu le SSR au bout de 70. Ça veut dire que vraiment, c'est... Si là, je l'avais eu, genre, première... le premier, c'était un SSR. Vous voyez là, par exemple, je l'ai déjà full, donc j'ai eu 3 de thunes en plus. Allez, donnez-moi le perso. Ouais, c'est elle. Mayline Fisher, obtenu déjà, on a gagné le 50-50. Alors, je suis pas très fan de... sa façon d'être avec bah, même le skin qui est payant ne me plaît pas. Là, regardez, je suis à 0. Je l'aurais en premier, je serais peut-être à 9. Vous voyez, là, on est un peu dégoûté, mais on baisse pas les bras. Peut-être qu'on peut avoir un petit doublon. On va faire quelques petites invocations encore. Allez, c'est pas rouge, on skip. Vraiment rien, tout est à la fin, même le SR. Là, c'est pas gagné. J'aime bien revenir en arrière comme ça des fois. Je casse un peu le shaft, même si c'est pas trop le cas ici. Allez, allez, allez. Un rouge au moins. Mais c'est horrible. Là, j'ai déjà à fond. Donc ici, c'est vraiment une multi-caca. Non, mais c'est pas vrai. Donne-moi quelque chose. On est sur la troisième multi. Oui, je suis vraiment poissard. 3 multi. Au total, genre, on est à 10 depuis le début. Genre 10 multi, je crois, et j'ai eu qu'un SSR qui était vraiment dû à la soft pity. C'est une tristesse. Bon, toujours rien. On va voir. Drop là, ouais, c'est pareil que d'habitude. Hein. J'ai plus de tickets. C'est là où ça commence à être un peu inquiétant parce que dès qu'on commence à taper sur les essence stone, c'est ça pique. Allez, on y va. Allez, allez. Je crois que je n'irai pas jusqu'à l'avoir en plusieurs doublons. Là, déjà, si je l'ai un premier doublon, c'est déjà bien. Ça permet de développer la compétence avec. Pas de chat, je sais pas comment ça s'appelle la compétence, mais ouais, ça serait bien. Toujours pas vraiment. Là, on est quand même sur un petit shaft. Sur des jeux comme Honkai, je suis content quand le personnage gagne le 50-50, je suis tout content, mais là, j'ai pas cette sensation. Oh, lui, cela dit, je l'ai pas à fond, donc je suis content de l'avoir. Et là, on est censé avoir quand même le personnage. Enfin, un personnage SSR. C'est fou. Hein? Attendez, attendez. On est à 70, là.
hausse du taux. On est à 70. Et le pire shaft que j'ai jamais eu. Tu m'étonnes. Oh, sans surprise. My god. Oh là là. Waouh. Je jure, j'ai pas de chance là. C'est horrible. 72. Et j'ai même pas le perso. J'ai le gourdin. Ah, j'ai le gourdin. C'est horrible. Non seulement je me suis fait shaft, mais en plus j'ai eu l'arme que je désire pas avoir. On sait qu'au moins le prochain c'est 100% swell, mais... Quelle horreur. Non, non, il y a un bail là. Je crois que là je vais l'avoir une dernière fois, puis je vais reporter les prochaines invocations. Comme ça. J'attendrai un petit peu. Là je suis dépité. J'étais tout content. Je vais quand même se faire shaft sur le soft pity. Cette arme, Kasaka, je l'ai à fond, je crois maintenant. 28. Ok. Rouge. En tout cas, pendant mon absence, j'ai réussi quand même à ne pas lâcher le jeu, à quand même faire toutes mes cotilles, à avancer un petit peu. Mais j'ai pas trop avancé au point d'aller chercher tous les trophées, etc. J'avais pas la force de le faire, mais en tout cas, j'ai rien abandonné, j'ai rien lâché là-dessus. J'ai quand même réussi à trouver le temps de le faire. Pas évident, mais en tout cas c'est fait. J'ai pas, je pense que si j'avais raté des jours, peut-être que j'aurais. C'est dans me connaissant, ça me fait lâcher un jeu. Bon, ben là gros shaft. On va être à la soft pity. Et les rouges, on a du rouge, mais on n'a pas ce qu'on veut. Allez. Et là, regardez, on est à 58. Donc si on ne l'a pas ici, c'est également un shaft. Non, 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 non. Là, franchement. Franchement. J'arrête là. Je fais ma dernière invocation. Je invoquerai un autre moment. C'est pas la journée, je pense, pour invoquer là. Le retour, il se fait, mais violemment là. Oh là là, attendez. On a quelque chose. Mais franchement, j'ai cru moyen. S'il me donne pas 2 SSR, c'est du shaft. S'il me donne 2 SSR, 3 SSR, je dis pas. Ça rattrape. Là, pas du tout. Là, on sait que c'est elle. Et c'est déjà bien. On va rester sur ça, d'accord? Je pense que là... Je me suis fait violence. Hein. Il me reste que 48 000. Vous voyez que ça part très vite. Hein. J'ai eu qu'un doublon. J'ai eu le personnage plus un doublon. Et j'ai parti déjà plus de 100 tickets, plus ça. Non, c'est... Il y a beaucoup. Est-ce que là, on peut récupérer des tickets? Ouais. Ça, est-ce qu'il y a des petites multis là que je ferai avec vous? Mais au-delà de... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas moyen. Bon, bah écoutez, j'ai eu le personnage au moins une étoile déjà. Et pour rappel, une étoile, c'est pas... Ça va. À une étoile, je débloque déjà ça. Le deuxième doublon, je crois, l'attaque et la défense de tous les membres de l'équipe augmente de 8%. C'est fort. Il y a vraiment des doublons, ils sont... Je sais pas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage en termes de mécanique parce que ça va healer, ça va buffer. Il y a plein de choses qu'elle fait. Et ça peut très bien servir dans une team haut. Et même ailleurs. Hein. Après, mais dans une team haut, c'est bien meilleur. Mais voilà, et je voulais vraiment voir le potentiel avec Seojiwoo et Alicia Blanche. C'est dommage, je ne pourrais pas profiter de son plein potentiel, mais on va essayer quand même, on va voir. Peut-être qu'en off, je vais continuer à invoquer et que ça se passera mieux, mais voilà, c'est tout. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de vous, de me dire en commentaire si vous avez eu de la poisse comme moi, ou si c'est que moi. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas le cas dans votre cas pour vous, et que vous aurez le personnage relativement vite.
Et bah, je vous dis sinon à très vite pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. En tout cas, comprenez que je vais reprendre un rythme. Mais je vais essayer d'y aller mollo, d'accord? Donc voilà, merci de votre compréhension en tout cas, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.